Eh bien, salut tout le monde, c'est DofusFan, et aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-série, on va appeler ça comme ça, une petite série, que j'avais envie de vous faire, sans trop prise de tête, c'est-à-dire que, niveau qualité de l'image, bah, ça sera que en 480p, parce que c'est, on va dire, des vidéos un peu bonus, parce que je sais pas, j'avais envie de vous faire partager ça, mais j'avais pas trop envie non plus de, comment dire, comment dire ça, ah merde, sans me prendre la tête en fait, donc et que ce soit rapide à mettre en rendu, parce que faut savoir que sinon ça met beaucoup de temps, hein, 720p. Donc voilà, alors cette série là va s'appeler Enquête d'une panneau terre pour mon gras niveau 86 qu'avec 35 000 kama, donc aussi avec l'astuce kama que je vous ai fait, donc voilà, je sais pas si ça m'a vendu, non je crois pas, et donc voilà, ça va, on est le jour même où je tourne les deux vidéos, donc voilà, alors en fait cette série là c'est juste pour vous montrer comment se débrouiller pour faire le panneau, et en fait aussi c'est parce que comme je suis en train de monter un roublard et que je mettrai, je laisse niveau 50 à peu près, et ben je revends pas la panneau, donc je vais vendre déjà ce que j'ai pas besoin, donc j'ai déjà la coiffe, je crois que je l'avais déjà, donc ça a déjà m'aidé un peu, sinon je vais revendre ça, donc c'est des FM un peu Vita, sauf les bottes qui sont FM AJ, enfin oui, un peu agi, alors les anneaux je revends pas, je vais même le mettre, je vais mettre ce qui va me servir, voilà, donc je revends ça, donc c'est un peu ce que j'ai trouvé dans la banque, j'ai juste oui un peu comme ça, donc on va, je vais aller revoir, hop, alors ma banque, parce que il y a tellement de bordel dans ma banque, et voilà, donc je vous conseille au fil de faire aussi le tri dans votre banque. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, je regarde un peu les prix moyens, ça ne m'intéresse pas. Trophée, ouais, je vais le vendre aussi. De Fiscalitus, on va tenter sa chance. Allez. Bon, passe. 100 000. Voilà, on va tenter sa chance, jamais, quand même le prendre. Alors, non, je vais essayer de prendre les trucs assez intéressants, parce que, ça c'est quoi ça? Les trucs, je vous jure, je sais même pas ce que ça fait dans ma banque, faut c'est de la merde, 10 000 kama, ça m'intéresse pas. Pierre de diamant, non, on va pas revendre ça. Non, je vais voir si j'ai peut-être des trucs FM, hein, des trucs encore du PVP, de mon job, donc ça date un peu, c'est ça fait peut-être un mois déjà, ouais, même plus, vous savez, le job PVP niveau 21 que je vous avais fait un montage il y a assez longtemps déjà. D'ailleurs j'ai beaucoup de popos de rappel, pas besoin là. Ah peut-être là j'ai des bons anneaux. Lui il est pas trop mal. Je crois que lui je l'avais déjà fait aussi. Bah vous savez quoi, on va les concasser. J'ai toujours une petite chance. Alors ça je crois que voilà. Ça, je vais prendre, c'était un petit puzzle que j'avais fait pour le fun. Full Vita. Donc ça je m'en souviens aussi, c'est ce que j'avais raté en FM. J'avais dépensé beaucoup de kama. Alors bon, ça me sert plus puisque je suis break. Je sais même pas pourquoi je me suis mis break, mais bon. La laine, le bob de laine, ça se voit assez cher, donc je vais prendre tout.
Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ouais, ça, vas-y, on va prendre ça. Voilà. Merde. Oh putain, mais quand j'y pense, j'ai vraiment des équipes qui datent de peut-être 6 mois aussi. Donc on va les revendre tout ça. Donc voilà, alors. Merde. Bijoutier. Alors. On va revendre ça là. Donc c'est. Ouais, alors. Logiquement, ça devient assez cher les anneaux comme ça. Ça vaut, ouais. Le prix minimum, ça vaut déjà ça. Et j'ai un assez de bon jet quand même. Alors, je propose de le vendre ça. Bon, allez, on va le vendre 400 000. Par contre, à mon tas, ça se vend un peu mieux. Alors, franchement, j'hésite à passer Bontarien. Comme ça, je serais un peu mieux, je pense. Non, non, j'ai la flemme en fait. Donc, c'est pas grave, hein. Alors, on va revendre aussi ça. Ça fait bien, c'est cher aussi. Parce que, regardez, ouais, il y en a quand même beaucoup, je pense. Enfin, j'ai peur quand même que. Ah, bah non, de toute façon, je suis con, c'est relié. Ouais, donc c'est bon. Avant c'était, je crois que avant c'était pas relié, hein, je crois pas. Maintenant c'est relié, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Ah, ça vaut un peu moins cher. Allez, FM Vita. Il y a aussi un peu d'agi, donc elle est pas mal quand même. Bon, lui, il a déjà bien les flammes. Bon, on va le mettre à 200 000, on va pas se casser la tête. Hop. Je sais pas si j'aurai assez de gains pour vendre tout. Alors. Bon, j'en reprendrai sur mon rouleau. Non, les anneaux de satisfaction c'est pour les PA, même si je pense pas en avoir. On va tenter quand même. C'est tout pour là déjà. Alors. Cordonnier. Cordonnier, cordonnier. Allez. Hop, alors c'est bloc de coucou royal qui sont FM AJ, enfin je sais pas s'ils sont pour FM, non ils sont pour FM pas du tout, même c'est même de la merde, donc bah je propose de vendre faut aller hop pour que ça parte vite, 70 000, voilà. La ceinture. Alors, la ceinture se trouve ici. Non. Non, non, ah, c'est bon. Ah, non. Ouais. Ça va un peu plus cher déjà. Alors. 128 à 26, 26. Putain, ça va, c'est des bons jets quand même. Bon, on va le vendre à 200, 200, 250. Alors, je vais juste vérifier pour les blocs Coco Royal si c'est vraiment les bonnes bottes et que j'ai pas pris les bottes bloc Coco. Alors, je crois pas. On va voir ça. Non, non, j'ai pas. Je me suis pas gouré. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à vendre du coup Excusez-moi, il reste les blesses dagues, donc les blesses dagues ça se vend quand même assez cher, je pense. Alors, les blesses dagues, les blesses dagues, les blesses dagues. On est un peu haut, non, on n'est pas haut. C'est niveau combien ça? 64, il y en a un petit peu haut. Voilà, les blesses dagues. Oula, ah ouais. Ok, ça vaut pas cher du tout. Ouais, bon bah voilà, café.
C'est vraiment de la merde ça. Quoi que ça peut me servir hein, pour mon crâne. Ouais. Oh, on va voir. Alors, est-ce que je peux porter déjà? Oui, je peux porter. Bon, moi je propose d'essayer ça. Alors, attendez 2 secondes. Je fais un truc. Hop là. Allez. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, je vais juste regarder s'il y en a des FM par hasard. Je sais jamais, de toute façon, ça pourrait être intéressant. Je pense que. Non, il n'y a même pas FM. Je trouve ça dommage, moi. Il y en a FM haut, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Oh bon, il n'y a pas l'air, donc. Ah oui. Maintenant, un coiffe. Donc. Une coiffe que mon oiseau avait. Alors, tailleur. Je vais vendre tout ce que j'ai là, et puis après, j'arrêterai cet épisode-là. Le prochain épisode, je pense que ce sera de la forge de magie. Parce que c'est quand même ça qu'il faut, hein. Donc, la série va peut-être pas durer longtemps, hein, puisque c'est quand même assez simple de faire des camas, je pense. Déjà, quand je vais vendre tout ça, je pense que ma panneau va bien avancer. Alors oui, je vais un peu trop là. Ouais, voilà, 34 000, donc je peux le mettre à, allez, on va dire 200 000, tiens. Parce que on est des fifous. Et voilà. Ouais, j'ai perdu quand même une bonne somme de camas là. En vendant tout ça, mais je pense que là, je peux me faire un bon million déjà de camas. Donc l'épisode va se finir. Pourquoi je. Bah. En fait, je vais le remettre. Je vais le mettre terre parce que. Agi, bah, ça devient lui. Comme j'ai la Orbe de Reconstitution. Qui est là. Que je garde précieusement. Pour l'échanger au Deuple. Et voilà. J'espère que ce premier épisode là vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des bonnes astuces Kama. Et ben, je les ferai en vidéo et je vous dédicacerai. Et voilà. Allez, à plus tout le monde.